Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Toby Figouz pour un unboxing Warhammer Conquest. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un unboxing Warhammer Conquest après de bonnes petites vacances. On va donc découvrir les numéros 44, 45, 46 et 47 donc de la collection Hachette. On va commencer donc par le numéro 44. Alors, dans le numéro 44, nous avons deux petits pots de peinture. Où c'est que l'on va retrouver donc un dry, donc le Necron Compound. Et ensuite, donc, on a une base, donc le Light Blazer. Voilà donc pour les deux pots de peinture du numéro 44. Donc, ce que nous allons découvrir dans ce numéro. Alors, nous allons voir donc les factions, donc l'Adeptus Mechanicus. Voilà tout un petit fluff sur les factions. Donc, on va également voir donc un chapitre donc des Space Marines sur la chronique d'Ultramar. Ultramar ascendant, l'âge de la rédemption. On revient donc sur les factions donc des démons du Nurgle, le Plague Drone. En bataille, donc on verra la mort volante, donc bien sûr avec les Plague Drones. De conflit donc de la guerre de la peste, les lieux c'était Espandor et Ultramar. En force donc en Disguard et force démoniaque, on aura donc les drones de la peste et la Disguard. Et en force impériale, on retrouve donc la troisième compagnie ultramarine et les Astra Militarium. Space Marine d'Imperial Fist, chapitre des Imperial Fist. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur les Imperial Fist? Donc on a donc monde chapitral Terra, Primarque, donc c'était le Rogal Dorn, spécialité c'était donc guerre de siège et tireur d'élite. Et bataille notable, donc ils ont combattu dans le siège de Terra et la guerre de la bête. Bon, les Imperial Fist pardon, forment l'un des chapitres les plus révérés. Ils sont considérés comme exemplaires dans leur application des principes du Codex Astartes et les paragones de Space Marine. Voilà les Imperial Fist. Donc ils auront une couleur jaune. On passe donc sur le chapitre peinture, brossage à sec, avec le Necron Compound. Donc ce que l'on a eu avec ce numéro. Voilà, donc du brossage, brossage à sec. On nous explique comment le réaliser. De façon à pouvoir, bien sûr, mettre plus en valeur nos décors et nos figurines. Guide de peinture donc sur le terrain. Règle terrain donc avec les containers. On va voir la mise en place des containers. Règle de la mission 28, donc c'est la chasse aux containers. Voilà. Donc voilà, on a terminé donc avec le numéro 44, pardon. On va poursuivre avec le numéro 45. Et donc là, nous avons la surprise d'avoir les Scouts Space Marine.
On va découvrir ça de suite. Donc notre magazine toujours. On va découvrir également. Hop. Cinq socles. Nous avons cinq socles et voilà donc les grappes. C'est qu'on va pouvoir monter nos petits scouts. Ils ont l'air bien sympathiques. Les moulures toujours aussi bien réalisées. Pour les équiper avec des sabres. Est-ce qu'on a des positions différentes au niveau des figurines? Il semblerait que oui. Il y a diverses positions. C'est pas flagrant au niveau des jambes, mais peut-être par rapport à la posture, à la positionnement du buste. Et des épaules, on verra ça au montage. Alors on va voir ensuite le numéro, donc 44, essayez de pas perdre les socles. Alors le numéro 44, on va voir donc les scouts Space Marine. Alors les scouts, qu'est-ce qu'on nous dit? C'était donc de l'infanterie légère, c'était donc des recrues. Rôle stratégique, c'était divers, ils n'étaient pas spécialisés dans un rôle ou quoi que ce soit. Spécialité, donc ils avaient donc la furtivité, anti-infanterie, sabotage, infiltration, reconnaissance, assassinat. En termes de spécialité, ils sont quand même assez vastes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, les scouts sont des recrues Space Marine entraînés et éprouvés sur le champ de bataille. Ils ont pour rôle donc d'infiltrer les positions ennemies ou de préparer la progression de leurs camarades. Ils frappent en silence et disparaissent avant que l'ennemi ait pu réagir. Donc voilà, un peu de fluff donc sur nos scouts. L'équipement des scouts. Le guide de montage. Donc voilà, on peut voir qu'ils auront donc des postures plus ou moins différentes. Et je pense qu'après on pourra varier en fonction de l'armement qu'on leur attribuera. Ça va être bien sympa à monter. Le guide de peinture, bien sûr, pour les scouts. En peinture, ça va être bien sympa aussi. Option d'équipement. Alors, dans Warhammer 40 000, la plupart des unités peuvent être équipées d'une grande variété d'armes. Les scouts Space Marine sont la première unité de votre collection bénéficiant de plusieurs options à la matière. Dans ce guide, nous vous montrons comment choisir des armes et équiper une unité. Donc voilà, effectivement, ils peuvent être équipés de différentes armes qui va leur donner, je pense, une valeur totalement différente. Et bien sûr, il faudra les équiper en fonction de ce que l'on veut faire. Parce qu'on voit bien qu'il y a des armes qui n'ont pas les mêmes portées de tir. Donc, en fonction de ce qu'on veut en faire, il faudra y faire attention. Soit on fait un panachage, soit on les spécialise sur plus
de l'assaut que du tir à distance. Enfin, il faudra se calculer ça. Et bien sûr, donc la fiche technique sur l'unité de scout. Et une petite règle de mission où c'est qu'on va pouvoir attribuer, mettre en jeu notre unité de scout. Voilà. Allez, on va s'attaquer au numéro 46 qui nous annonce donc les renforts de la 10 Guard. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les renforts de la 10 Guard? Déjà, on a de la figurine, 5 socles, voilà la grappe, et en termes d'impression et de moulure, je trouve ça tout à fait magnifique en détail et tout, en termes de gravure, sont vraiment vraiment bien faites. Hein. En plus, c'est des grappes qui sont pas si vieilles que ça, hein. Elles sont de 2017. Je trouve ça vraiment bien fait. Allez, on va découvrir sans plus attendre le numéro 46. Ce qu'il va nous expliquer donc sur les renforts de la Discord. Ça nous semble avoir vu encore du Plague Marine, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Le Fated Blood Drawn. Voilà. Donc notre machine de guerre de renfort. Alors type machine et démon, rôle stratégique, soutien mobile. Elle est donc spécialisée dans l'anti-infanterie, l'anti-char et la guerre biologique. Elle a combattu donc dans les batailles de l'invasion d'Ultramar et les guerres paradaxiennes. Le Fated Blood Drawn. Excusez pour mon anglais. Hein. C'est l'anglais du sud-ouest. Alors, un peu de fluff sur cette machine. Les armes, l'arsenal donc. Ensuite, donc, on se retrouve avec un guide d'assemblage, donc effectivement on va retrouver des plaques marines dans le renfort en plus de notre Blood Drawn. Le guide de peinture, donc là ben avec toutes les peintures qu'on a reçues, ben on peut voir que ça commence à se concrétiser au niveau des finitions. On va commencer à pouvoir faire de belles figurines. Même si on n'est pas un professionnel de la peinture, avec ces tutos, on s'en sort très 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 bien. Et puis l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure des numéros, on a des pots de peinture qui viennent donc nous apporter quelques éléments supplémentaires pour donner un peu plus de rendu à nos figurines. Et je trouve ça plutôt sympa. Alors, on a une fiche de règles mission 30, la lutte de pouvoir. Et donc, la fiche technique de notre machine. Fated Blowout Drawn.
Allez, on va découvrir le 47 qui nous annonce aussi une belle figurine des Space Marines. Alors nous allons découvrir le Land Speeder, donc des Space Marines. Alors, faites-y attention, quand vous ouvrez la pochette, hein, il y a les supports transparents et dans la pochette, j'ai failli pas les voir. Donc voilà. Et le Land Speeder, ben voilà. Nous l'avons en intégralité, donc sur le numéro 47. Là aussi. On va avoir une belle séance de montage. Ça va être bien sympa. Et de la peinture en suivant. Toujours les gravures aussi bien réalisées. Donc voilà les détails du pupitre avec les boutons de commande. Voilà pour la grappe de notre Land Speeder et on va découvrir sans plus tarder, bien sûr, l'affiche sur le Land Speeder. Donc il a un niveau de blindage de 3, une vitesse de 9, une puissance de feu de 6 et ses missions donc sont plus reconnaissance et attaque. Il a un équipage donc de 2 Space Marines, pilote et artilleur. Il a un armement, un bolter lourd et il aura donc la possibilité d'avoir des options canon d'assaut, lance-flamme lourd, multifuseur, lance-missile, typhon. En propulsion, donc il a 2 turboréacteurs augmentés, modèle Lucius, plaque à répulsion antigrave et un équipement senseur et système de communication avancé. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, le Land Speeder, donc la technologie antigrave des Land Speeder leur permet de se propulser au-dessus du champ de bataille à une vitesse efférente pour faire pleuvoir un déluge de tirs sur les ennemis de l'Imperium. Avec un Space Marine aux commandes, ils sont capables d'effectuer des manœuvres époustouflantes. Bon, ben ça nous annonce de bonnes batailles, ça. Voilà, un peu de fluff sur le Land Speeder. L'affiche sur l'équipement donc du Land Speeder. Un fluff, donc du fluff sur bataille. Bataille numéro 22, le ciel s'embrase. On sait que bien sûr, je pense qu'on va retrouver donc la mise en action des Land Speeder. On retrouve donc une fiche faction sur les démons de Nurgle. Le guide d'assemblage du Land Speeder. Bon, ça n'a pas l'air bien compliqué. Hein. Nous avons quand même pas mal d'options d'armement. Très bien. Le guide de peinture. Règle mission 31, la guerre dans les cieux. La fiche technique du Land Speeder. Alors, il peut être équipé de missiles, les missiles Typhoon. Missiles Typhoon, on peut voir qu'ils ont une portée de 48 pouces quand même. 48 pouces.
C'est vraiment intéressant. Ça va être sympa. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? Dans le numéro 48, on va avoir les motos Space Marine. Et dans le numéro 49, eh bien, on se retrouve avec trois pots de peinture que nous n'avons pas. Ça sera trois nouveaux pots de peinture. Des layers. Bon. Eh bien, écoutez, me tarde donc de découvrir la suite. Donc voilà, nous en avons fini donc avec cet unboxing donc sur les numéros 44, 45, 46 et 47. Donc comme nous avons pu voir, qui va nous apporter quand même encore quelques belles figurines à monter. On se retrouvera prochainement pour le montage de figurines, notamment le Land Speeder. Et il y a également une figurine des numéros précédents que je dois vous présenter également en vidéo. Bon, mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la partager, bien sûr, hein. Si vous comptez, donc, si vous souhaitez encore suivre l'aventure avec nous, eh ben, n'hésitez pas à venir vous abonner en venant cliquer ici sur le petit bouton et surtout activer la petite cloche pour ne rien manquer, bien sûr, des aventures de Toby Figouz. Et puis, ben, je vous dis donc à très bientôt donc pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao!